Nous sommes fiers d'avoir réussi à oser partager nos projets de restauration et à préserver cet équilibre avec un esprit de simplicité toujours renforcé. Tortue Cartour a 4 piliers, contributif, collaboratif, familial et gratuit. Tortue Cartour est adepte de l'entraide et du partage, recensant des informations provenant de vos contributions, de nos projets, de nos recherches et de nos réalisations. Le côté contributif concerne toutes les vidéos et les sujets associés à la van life. Le côté collaboratif concerne également les nombreux projets que vous nous partagez par vos expériences et vos connaissances et qui nous soutient et qui font travailler les algorithmes de YouTube sous nos vidéos. Et on vous en remercie. Le côté familial, car c'est aussi l'outil qui nous permet de communiquer avec notre famille, de garder un lien et de partager nos aventures. C'est la raison du côté décontracté de certaines vidéos. Nos vidéos reposent autour d'un modèle gratuit contributif. Chaque spectateur profite de nos réalisations et offre la possibilité de construire son camping-car sans limitation, sans restriction, avec de nombreux outils de personnalisation et d'alerte de nos expériences. À ce jour, nous sommes une petite communauté et c'est grâce à vous. Merci à ceux qui sont très actifs, comme Seb, Stéphane, Cyril, Pierre, Daniel, Jean-Michel, Jacques, Bernard Michel, J.M. Levarois. Hélas, on ne peut pas tous vous citer. Et on vous remercie infiniment de nous laisser à chaque vidéo un pouce et un commentaire. Cela nous touche beaucoup et nous motive toujours à partager des vidéos, des travaux de Nico. L'entraide, le partage, l'humilité, la bonté, la simplicité et la bonne humeur font partie de nos fondamentaux et ce qui constitue une grande partie de l'attrait. Quand vous vous abonnez, vous permettez également, grâce à votre abonnement, de développer la chaîne et le fait de regarder nos vidéos contribue à les promouvoir. Il nous paraît important de rappeler les racines de notre chaîne en cette fin d'année et de vous souhaiter un joyeux Noël. Et quel que soit votre niveau de visionnage de notre chaîne, vous êtes les bienvenus. En conclusion, si vous vous abonnez, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement de souscrire à une chaîne, mais également de partager une certaine idée de la van life. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël! Salut à toi, l'ami qui nous regarde dans cette vidéo spéciale Noël. Et non, rassure-toi, on garde le thème. Donc dans cette vidéo, on continue la suite des travaux de Tracassou. On va continuer la présentation des meubles avec le vernis qui a été fait. Et puis je vais te présenter le capitonnage, voilà, qui a été fait avec du simili-cuir, juste derrière, là. Voilà. Truc là, c'est ça ou non?
C'est pas sec ça. Non, c'est pas sec. Je viens de le finir. Faut pas mettre les doigts dessus. Je viens de faire le dernier. Le dernier passage. Si je mets les doigts dessus, je vais me faire engueuler. On va voir mes emplois. Il y a des chances. Et les bords arrondis, hein, très important. Non, non, c'est hyper important parce que là, c'est la fin du monde hein, si on n'a pas les bords arrondis. Oui. Mais si, si. Non, mais ils sont beaux, les bords arrondis. Plus, regardez. Ça se fout de ma gueule. Mais... Non, je me fous pas de ta gueule. Mais c'est obligatoire de faire comme un camping-car, c'est une question de sécurité. C'est obligatoire dans un camping-car. Hein. Attention, bord arrondi. Et partout, hein. Attention. Parce qu'on ne sait jamais si on tombe et qu'on se fracasse la tronche ici. Ah, la blanche ! Oh ! Ah, j'ai vu ! Elle n'est pas dans le bon sens. Ah merde, c'était pour critiquer. Ah bah... Eh ben non, c'est raté. Je croyais que t'avais oublié. Mais non. Ah non, c'est raté. Ah ouais, zut. Bon, bah donc la planche aussi du dessus. Attends, bord arrondi. Hein. Attention. Parce que si on glisse, voilà, ça change tout. Voilà. Nous avons des bords arrondis partout, n'est-ce pas? Là aussi. Hein. Ouais. Arrondi. Hein. Voilà, voilà. Ouais. C'est bon, tout est arrondi. Voilà, toujours quelque chose dans la gueule. Hein, c'est... Tu veux voir ta tête? Bonjour. Non, je suis voir mon chien. Hein. C'est beau mon chien. Eh, j'ai du mal à l'avoir. Hein. Ça fait des années que j'en voulais. Hein. Un chien. Ça va mieux. Bon voilà, donc on est donc dans Tracassou, hein, toujours. Donc j'ai fait le capitonnage à l'arrière, je sais pas si vous vous rappelez. Ici c'était en bois brut encore, c'était resté, voilà, j'avais pas fini cette partie là. Donc je l'ai recouvert, j'ai fait un petit capitonnage dessus, avec un simili cuir blanc. Mon micro. Voilà, qui fait bah, tout le tour de la capucine au niveau de la cabine. Et puis bah, y a toute la partie avant de la cabine aussi qui a été recapitonnée. Me by the reason.
Donc bah, j'y rajoute des petits clous pour faire vraiment un effet capitonné. Voilà, donc je rajoute des petits clous comme ça sur la partie pour vraiment faire un capitonnage propre. Voilà, j'en ai encore quelques-uns à rajouter pour cacher mes fixations. Voilà, histoire que ce soit propre. Voilà, pour le capitonnage. Donc après j'ai toute la partie haut de la capucine à finir. Où certainement je lui mettrai une planche sur cette partie-là qui va pouvoir se relever. Voilà. Parce qu'avant c'était juste une plaque qui était posée là, qu'on pouvait enlever, mais bah, après on fait quoi de la plaque, quoi. Voilà. Là au moins on pourra relever directement cette partie-là pour accéder plus facilement peut-être à la partie cabine. Comme les sièges vont être changés, ils vont être pivotants, donc voilà. Ça va donner plus d'accès. Et t'as faim. Et j'ai teinté donc mes meubles. Voilà. Vous voyez la teinte finie des meubles. Alors j'ai encore la peinture blanche quand même, qui n'est pas faite. Sur les portes. Sur les portes et sur le bas là de. Ah d'accord. Surtout le bas des meubles. En dessous. En dessous, à l'intérieur. J'ai toute cette partie-là à faire, encore en bleu. Donc j'ai un tour de fenêtre qui est fait. J'en ai qu'un. Et donc, la teinte, hein, l'objectif, c'était d'avoir un effet miroir. Je tiens à le spécifier, c'était très important. Ouais. Ouais, il y a trois couches de vernis marin dessus. Voilà. Comme ça permet aussi d'avoir des meubles lessivables. Plutôt que. Donc j'ai commencé à fixer mes meubles bas. Que je ne fais pas voir. Non, parce qu'ils sont trop moches, donc tu ne veux pas les faire voir. Non, ça va voir. Je veux voir ton côté miroir. Ouais. C'était hyper important. Ouais. À avoir à tout prix. C'est ça. Donc, je pense que ça y est, oui. Oh là. Presque se coiffer dedans le matin. Voilà. Bah, j'ai commencé à fixer mes meubles. Voilà, celui-ci est fixé. Mes coffres, ouais. Là, il me reste celui-ci. Non, celui-ci n'est pas encore fixé. Mais il est en position, j'ai juste les vis à mettre. Hein. Et puis, j'ai mon bac d'eau qui est arrivé là. Voilà, dans sa position. Finale. J'ai encore mon trou là à faire pour mon arrivée d'eau et puis ma raccord à poser à la pompe. Voilà, mais sinon il est arrivé dans son positionnement. Voilà ce qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, j'ai pas avancé beaucoup quand même. Quand tu y réfléchis, j'ai passé beaucoup de meubles, beaucoup de temps sur mes meubles, à passer du vernis, encore du vernis. Voilà. Non, j'ai passé pas mal de temps, ouais. Et puis mon capitonnage aussi, où j'ai mis pas mal de temps dessus. À recouper mes planches, voilà, pour arriver à faire quelque chose de propre. Donc, mine de rien, c'est du temps. C'est du temps. Et puis voilà. Bon, j'ai reçu. Ah si, t'as fait tes bouches dehors. Ah oui, enfin, j'ai fait. Oui. Dehors, ouais. Mais j'ai fait les bouches du frigo, ça y est, c'est posé. C'est fait. Il me reste juste mon tuyau de gaz à passer derrière avant de fixer ma cuisine. C'est tout ce qui me reste de ce côté-là. Et puis bah si, mes raccords d'eau, évidemment, mais voilà. Ça pour le moment j'ai rien de raccordé. Et puis j'ai reçu tout ce qu'il me fallait pour faire mon chauffage. Voilà. On peut peut-être présenter d'ailleurs le matériel qu'il faut pour le chauffage. Le matériel pour le chauffage. Oui, tu l'as déjà présenté. Oui, ça commence par ça, hein, le petit Webasto.
un thermotop C. Voilà. Une petite pompe à gasoil qui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le pot d'échappement qui sera changé parce que celui-là, on n'en parle pas, il est complètement mort. Voilà. Donc sur le chauffage, en fait, c'est un petit. C'est ce petit appareil-là. C'est un petit radiateur qui est à l'intérieur, en fait, où il y a une arrivée, l'arrivée de. Du liquide de refroidissement en fait qui passe par là, voilà, qui passe dans un petit radiateur, et là toute cette partie là, tout ce bloc là en fait c'est un ventilateur qui me permet justement de pouvoir pulser la chaleur partout dans le camping-car. Donc cette partie là est reliée donc au Webasto parce qu'il y a un petit peu de monde quand même pour faire ce système là. Donc je me suis récupéré un petit réservoir pour pouvoir mettre le liquide de refroidissement en fait dedans. Voilà, avec donc des petits embouts, je vais les fixer dessus. Et mon tuyau, voilà, qui viendra se raccorder. Donc tout ça va être relié au Webasto. Et une autre partie donc qui va être pour l'eau chaude. Voilà, c'est un petit échangeur thermique à 20 plaques. Donc il y a l'entrée du liquide de refroidissement qui va être par là et l'arrivée d'eau qui va être de ce côté-là. Et à l'intérieur, en fait, ça va faire un échange de chaleur qui va me permettre d'avoir l'eau chaude dans le camping-car. Voilà. Donc, sur le montage, je ferai une vidéo rien que pour ça. Parce que c'est assez complexe quand même à monter. Parce que c'est raccordé après avec une petite télécommande Webasto, enfin voilà, pour réguler la température de l'eau. Donc je ferai une vidéo vraiment dédiée une fois que j'aurai trouvé tous mes branchements, parce que aujourd'hui les branchements du Webasto, j'ai juste les fils qui ont été coupés. Donc j'arrive à raccorder ce qui commande en fait la chaleur et puis la pompe à gasoil, voilà. Donc je ferai une vidéo dédiée à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a monté les grilles du réfrigérateur. Voilà, à l'intérieur. Au moins, ça c'est fait. Alors, c'est pas fixé encore, parce que j'ai des petits raccords encore à faire. Voilà. Voilà. Depuis la dernière vidéo, ce qu'on a fait. Pas grand chose. Non, c'est très long en fait. Voilà. Après, j'ai pas fait grand chose de plus quoi. Enfin, en même temps, quand tu fais ça déjà, tu passes vachement de temps. Parce que le capitonnage, j'ai mis la semaine pour le faire quand même. Mmh. Quasiment. C'est mou, hein. Ouais. Hein. J'avance pas grand chose en fait. Mais ouais, mais j'ai mis vachement de temps à le faire. Mmh. Et en même temps, tu t'es compliqué un petit peu la vie, hein, parce que entre la graffeuse qui n'allait pas, les agrafes qui n'allaient pas, ouais. Il a fallu rechanger la graffeuse. C'est vrai, d'ailleurs, la graffeuse. On peut en parler, parce que c'est quand même un sujet où j'ai bien galéré. Donc, je sais pas où est l'autre, ah si, il est là. À la base, voilà, hop, j'avais cette agrafeuse. Donc, agrafeuse électrique, hein. Voilà. Le problème, c'est de retrouver des agrafes qui vont dedans. Donc, j'ai acheté une première fois des agrafes. Et les agrafes sont trop petites, enfin, pas assez larges, en fait, par rapport à la dimension à l'intérieur de l'agrafeuse. Et donc, j'ai bien galéré. Parce que j'ai commencé comme ça et en fait à chaque coup d'agrafe il fallait que j'enlève la deuxième agrafe qui était coincée dedans, enfin bref, c'était toute une galère et j'arrive pas à trouver d'agrafe qui rentre dedans. J'ai fait plusieurs magasins, j'en ai commandé sur internet, enfin bref, une vraie galère. Donc ça m'a pris la tête et donc je me suis pas pris plus la tête que ça, j'ai fini par acheter une autre agrafeuse, voilà.
Et vous faites toutes mes... moins cher. Ouais, c'est ça en plus. Ça, le pire, c'est que celle-ci coûte quand même relativement cher. Celle-ci, je l'ai payée 22 euros. Voilà. En plus, elle a pas le fil et tout. Elle est super maniable. Donc, non, franchement, j'ai perdu du temps pour des conneries. Voilà. Et donc, les premières agrafes que j'avais achetées sur Internet, du coup, rentrent aussi dedans. Voilà. Donc, impeccable. Ça marche super bien. J'en suis très content. Donc, j'ai fini tout mon capitonnage avec. Voilà, c'est de la marque Trotec. Hein. 22 euros. Bon. J'ai trouvé que c'était, parce qu'on se sert pas d'une agrafeuse non plus tous les jours, quoi. Donc, pour ce que j'avais à faire, ça me suffisait largement. Et puis, ça m'évitait de me flinguer les mains avec une agrafeuse à main, hein. Parce que bon. Déjà, j'avais le pistolet à colle où j'étouffais à la main avec un pistolet à colle manuel. Oui, j'ai arrêté ça, je viens de m'acheter un pistolet pneumatique. À force d'avoir mal. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que au bout d'un moment, ouais, non. En même temps, tu t'en es bouffé, hein, des tubes de colle, ouais, j'en ai bouffé quelques-uns et là je peux plus là. Là j'ai. Ouais. Donc j'essaie de me faciliter un peu la vie. Là. Tu vois, tu disais que c'était moi avec mon boulot, mais en fait, au final, c'est toi avec ton camping-car. Toi, c'est lui en fait qui est en France. Non, mais bon. Non, si tu m'as accusé, t'as dit oui, c'est toi avec ton boulot. Ouais, ouais. Mais ça, c'est toi avec ton boulot, hein. Mon camping-car, moi, je le fais par amour, mon camping-car. Hein. Je l'aime bien. Voilà, il est tout beau maintenant, il est magnifique. Ah si, il est beau. Le décor, il se fera remarquer aussi. Ah bah en même temps, sinon c'est plus un camping-car tortue-car. Ah. Si. Non. T'as ta porte à finir. Ouais, j'ai encore ma porte, ouais. Mais ça, on verra. Ça sera, je pense, le dernier truc qui sera fait. Ouais. Quand j'en serai arrivé à la porte, c'est que tout l'intérieur sera fini. D'accord. Voilà. Et que j'aurai plus que la porte à faire et à fermer. Tac. Et on pourra partir. Ok. Voilà. Non, parce que la porte, je voudrais la recouvrir. Je pense que je vais aussi lui mettre du cuir. Ah, t'as blanc. Ouais. Ah, et puis, tiens, il y a un matou d'or. Et puis. Il y a 10 km aussi. Hé, c'est Covid. Rentre chez toi. Donc. Voilà. Où on en est. Donc, là. J'espère cette semaine arriver à finir mes meubles avec la peinture laqué blanc. Et puis, à raccorder mon eau. Excuse-moi, comme d'habitude, je vais foutre le bordel. Ouais, tu fous le bordel dans la vidéo. Ouais, hein, tu fous le bordel. Voilà. Donc, cette semaine, ça va être le principe, c'est de finir mes meubles avec ma peinture laquée et raccorder mon eau. Voilà. Brancher mes LED. Qui sont pas encore branchés. Voilà, quand j'aurai fait ça, ça sera déjà mieux pour la semaine. Voilà. Ouais, voilà. Bon, je crois que j'ai plus rien à dire. Joyeux Noël à ta belle-mère. Ouais. Et bien, cette vidéo est arrivée à sa fin. Bon, elle était peut-être un peu courte. Hein. Mais bon, voilà. Et bien, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et passez de bonnes fêtes. Allez, salut à tous. Bye bye. Cette année, l'effervescence de Noël a été mise à mal. Pourtant, cela reste une période spéciale. Alors, apprécions de s'arrêter et de profiter tout de même de l'esprit de Noël et des traditions qui lui donnent un sens. Certes, être dans l'esprit de Noël, ce sont les moments partagés avec la famille, les amis et dans nos assiettes, que tout se joue dans nos traditions et ainsi créer des souvenirs heureux. Essayons de fêter Noël malgré cette période d'une aura différente, avec douceur. L'important n'est pas de partager un repas lors du réveillon ou le 25 décembre et de s'offrir des cadeaux, mais de forger notre identité culturelle et familiale. C'est l'instant de transmettre à ceux qui nous sont chers et de savoir dire ou de faire comprendre que nous les aimons, qu'ils comptent pour nous. Mais aussi de rêver à ce qu'on souhaite de plus cher et d'émettre nos vœux. On a aussi le droit de demander à être exaucé. Joyeux Noël ! Comme tous les enfants, nous avons envoyé une lettre au Père Noël, pleine de souhaits, nous voulons un camping-car et des voyages. Et nous avons été sages cette année. C'est Noël, nous sommes prêts. Perceuses, ciseauteuses, vis et colles, les valacteurs entiers regardent le ciel. Ils attendent, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Nous, les tortues-car tours, on prépare le camping-car dans l'atelier.
On aime s'amuser, fabriquer des meubles ou des séjours. C'est ça notre spécialité. Un camping-car se prépare, c'est pour bientôt le grand départ. Le Covid nous guidera pour faire le tour du monde, c'est ce qu'on fera. Moi, Nico, dans mon camping-car, j'amènerai au Van Lifer Sage des vidéos. Je passerai par YouTube avec toujours le partage de mes projets. C'est le soir de Noël, nous sommes tous prêts. C'est Noël, c'est Noël. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, la famille. Joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, joyeux Noël. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.